vidéo aujourd'hui, très courte. C'est à propos des jigs à poil. J'ai pas dit je danse le jig, la jig à poil. J'ai dit les jigs à poil. C'est ça. Salut tout le monde. Aujourd'hui, une petite vidéo à propos des jigs à poil. Pas les jigs à poil. Les dandinettes à poil. Alors, ça s'appelle des bokarous. C'est du poil de kangourou. C'est du poil de... Voyons. Salut tout le monde, petite vidéo courte aujourd'hui, c'est juste pour vous parler des bokarous. C'est des jigs, mais avec du poil, c'est de la queue de chevreuil, si je me trompe pas. Ça a un effet, la queue de chevreuil, c'est des poils, je pense, qui sont vides, puis qui flottent. Je sais plus si c'est caribou ou chevreuil, là, mais c'est un des deux. Puis ça a un effet vraiment vibratoire dans l'eau, puis aussi ça se gonfle dans l'eau. Alors, il y a juste cette sorte de poil-là qui fait ça. C'est plaisant parce que c'est un jig qui a un effet très rapide. Quand tu jigs avec, dans ce sens-là, ça monte très, tu le montes, puis là, ça redescend très rapidement parce qu'il n'y a pas de résistance dans l'eau. Normalement, c'est un leurre qui va servir pour la truite. Là. Moi, en tout cas, mon père, mon oncle, tout ça, ils se servaient de ça pour la truite au lac Kenogami, rivière Picoba, rivière Syriac, tout ça. Eux autres, c'était des pêcheurs de truite, là, puis de Wenanish. Alors, eux autres, ils avaient ces modèles-là. Ça vient directement du coffre à pêche de mon père puis de mon oncle, qui sont tous les deux décédés aujourd'hui. J'ai leur coffre à pêche. Alors, ça, c'est des vieux leurres qui étaient dans leur coffre à pêche. Comme mes cuillères, dans le fond. Mes cuillères rouges et blanches, là, c'est de là que ça vient aussi. Alors, ces leurres-là, les jaunes et noirs, je les utilise pas vraiment. Parce que je les ai essayés, j'ai jamais rien pris avec ici. Ça fait que c'est vraiment plus pour la truite, la one inch. Mais ceux-ci, je les ai achetés dernièrement, voilà peut-être 2 ans. C'est des imitations de poissons, vraiment. Ici, on voit c'est un méné, là. Gris, noir, avec du brillant sur le côté. Ils sont très bien faits, ils ont des têtes travaillées et tout. Fait que c'est vraiment. Je pense que tu peux pêcher pas mal n'importe quoi avec ça. L'an passé, mon garçon, avec le verre ici, du bord. Il a pris un achigan de 3 livres et demi. Il commence à faire un bel achigan quand même. Puis moi, avec le gris ici, j'en ai poigné 3, dont un de plus que 4 livres. Alors, ça a fonctionné. Normalement, on se dirait pas que c'est des leurres à achigan, là, mais honnêtement, ça a fonctionné. Puis c'était du bord, là. C'était toute la pêche du bord. Fait que des endroits qui avaient un petit peu plus d'eau, là. Ou qu'il y avait beaucoup de courant. Tu sais, souvent, tu vas avoir du courant, là, de la roche, tout ça. Alors, ça se contrôle bien quand même comme leurre. Tu le ramènes à une certaine vitesse en donnant les petits coups. Là. Tu ne l'envoies pas directement au fond non plus pour ne pas rester accroché. Mais ou dans une chaloupe, là, comme un jig normal. Alors, ça fonctionne pour d'autres sortes de poissons que la truite ou la wananish. Moi, maintenant, j'en pêche plus vraiment de la truite ou de la wananish. Il y a moyen aussi, avec certains produits, de lisser les poils pour leur donner différentes actions dans l'eau. Si on les laisse tels quels, ils vont se gonfler normalement. Dans l'eau, ils ont un effet vraiment qui fait ça. Là. Puis vous pouvez les lisser, il y a des genres d'huile là, qui se vendent pour ça aussi. Mais en tout cas, tout ça pour dire que on peut pêcher autre chose que de la truite et de la wananish avec des bokarous. Ça fonctionne sur d'autres sortes de poissons. J'ai pas pogné du doré, j'ai pas pogné du brochet avec ça. Cette année, je vais l'essayer avec le doré. Je pense qu'en profondeur, là, ça va très bien aller. Il y a sûrement des gens qui n'ont pris du doré avec ça. Si vous avez un commentaire, vous avez sûrement déjà utilisé ça, les bokarous. Je sais qu'aujourd'hui, il y a moins de monde qui utilise ça. C'est moins à la mode, là. Mais souvent, ça va faire... Moi, je les ai achetés, ça fait une couple d'années, ça a bien fonctionné. Quand il n'y a rien d'autre qui fonctionne, c'est un poids assez... L'autre qualité que ça a, c'est silencieux. Comme les poissons souples comme ça, qu'on peut utiliser en jig aussi. Là. Mais souvent, le soir, quand c'est plus tranquille, il y a moins de vagues, tout ça, l'eau est tranquille. On ne veut pas arriver avec des castagnettes, là, avec un leurre dur qui a des billes et qui se fait un vacarme d'enfer. Les poissons, je pense qu'à un moment donné, ils viennent un petit peu blasés de ça. Là. Alors, un petit leurre silencieux, ça peut peut-être les éveiller plus que beaucoup de bruit. Fait que, si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à mettre un petit like en bas. Un petit commentaire sur vos expériences avec les bokarous. Je sais que ça peut être de vos parents aussi. Je sais qu'il y a moins de gens qui pêchent avec ça aujourd'hui, mais c'est toujours intéressant de connaître les expériences de tout le monde. Fait que à la prochaine. Salut!